Le bilan du séisme en Italie ne cesse de s'alourdir. Il atteint désormais 247 morts, mais les autorités rencontrent des difficultés à évaluer le nombre des victimes qui pourraient être encore ensevelies sous les décombres. Des milliers de secouristes fouillent les ruines. Depuis mercredi à l'aube, la catastrophe mobilise tous les services de l'État italien. Pour être précis, environ un millier d'hommes et de femmes issus des forces de police sont impliqués, explique cette responsable de la protection civile. Et puis nous avons aussi plus d'un millier de pompiers qui sont ici représentés par M. Bruno Frattasi, le préfet. Et nous avons également 400 soldats. Dans tout le pays, les Italiens se mobilisent pour venir en aide aux victimes. Les autorités n'ont pas établi le nombre des survivants retrouvés dans les ruines, mais une fillette de 10 ans a pu être sauvée après être restée 15 heures sous les décombres.